Good morgen, allez, Iden, les sur aujourd'hui, le Lonishmat, Kolo, Shlomo, Ben Shalom, Lucien, Batrina, Léa, Bat Mazal Tov, et Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Gitin, Père Gimel, Mishnah Bet. Akotev, Tovse, Gitin, Tsarich, Sheyaniach, Mekom Aish, ou Mekom Aisha, ou Mekom Azman. Shtare, Malve, Milva, Tsarich, Sheyaniach, Makom Amalve, Mekom Alove, ou Mekom Amaot, ou Mekom Azman. J'tarai mekach, tsarich shaniach, makom alokeach, ou makom amocher, ou makom amaot, ou makom asade, ou makom azman. Mi penei hatakana. Rabbi Yehuda posel vekulan. Rabbi Elazar machshir vekulan, chutz mi gitin hashim, shenemar vekatav. Lah, nishma. On s'intéresse dans notre Mishnah à savoir si un sofer, un scribe, peut préparer des shtarot avant qu'ils soient concrètement. Qu'on lui a demandé de les faire. Quel est le problème, la grande problématique? Ça touche d'ailleurs à la Mishnah précédente. On a appris qu'un guet, il lui a écrit Lishma au nom d'une femme. Maintenant, moi, je suis sofer et j'ai pas envie. Je sais qu'il va y avoir bientôt plusieurs personnes qui vont vouloir demander des guettes, qui vont vouloir divorcer leur femme. Et puis, pour ne pas être débordé de travail, alors j'aimerais bien écrire au moins une base. Vous savez, quand vous prenez un guet, il y a beaucoup de termes qui sont écrits là-bas. C'est tout un texte. Prendre une base de guet, écrire la partie commune à tous les guets, laisser quelques parties blanches qu'on complétera ensuite en dernière minute, selon le besoin. Quand il y aura Réhouven qui viendra pour divorcer sa femme, Rachel, alors j'écrirai, alors la Michelle me dit, oui, je peux le faire. D'accord ? C'est une marloquette, on apprendra d'ailleurs que dans les guettes d'Afka, je ne peux pas le faire, ce sera la fin de la Mishnah, mais pour le moment, on commence avec le premier avis de la Mishnah qui me dit « Akotev tofse » attention, je rappelle, il y a les tofse gitin et toref aget. Tofes aget, c'est la partie, comme le tfous, c'est la partie qui est commune à tous les guettes. Alors, akotev tofse gitin, celui qui veut écrire la partie commune à tous les guettes, c'est-à-dire une base de guettes, comme on dit en hébreu moderne, c'est devenu le tofes. Quand vous allez recevoir un papier à remplir, alors on a déjà imprimé les mots de base, et ça c'est le tofes. Et après il faut écrire les mots qui manquent, c'est le toref, c'est l'essentiel. Alors, kotev tofse gitin, celui qui veut écrire un tofes aget, alors il faudra qu'il... Il faudra qu'il laisse la place où il écrit le nom de l'homme, ou makom haisha, et le nom de la place où il faut écrire le nom de la femme, ou makom azman, et la place où il faut pour écrire le temps. Le jour où ça a été fait, et le Bartanura rapporte en plus un ajout, il doit ajouter aussi au nom de l'Agma, la phrase où il y a écrit Arat Muteret Lecholadam, qui est l'essentiel du guet qui dit que je te permets, je te libère, tu es libre, tu peux demander avec qui tu veux. D'accord? Donc en fait, je peux imaginer que dans un guet il y a écrit à tel jour, telle personne a dit à sa femme que c'est fini, entre eux ils ne le pourront plus, et qu'elle pourra ensuite partir se remarier avec d'un autre homme, et je ne sais pas quel est le contenu du guet, je ne le connais pas par cœur. En tout cas, toutes ces phrases, il pourra écrire juste laisser la place du nom du mari, le nom de la femme, et la phrase de Arat Muteret Lecholadam et la date. D'accord? C'est clair, on continue. Shtare Milva. Maintenant, il veut écrire un get, un shtar de dette, reconnaissance de dette. Vous m'avez prêté de l'argent? Quand vous m'avez prêté de l'argent, alors il faut écrire un shtar, un contrat. Tsarir Sheyaniach Makoma Malvé. Il faudra laisser la place où il y a le nom du malvé, celui qui prête. Ou makom alové, celui qui emprunte, ou makom amaot, et l'endroit où on met la somme d'argent, ou makom azman, et l'endroit où il faut écrire la date à laquelle le contrat a été contracté. Shtare mekar, maintenant si, donc on parle, d'accord, on est toujours dans le scribe, le sofer, il a le droit d'écrire donc des tofse gitin, il a le droit d'écrire des tofse shitre alva'a. Et maintenant, avec encore, il peut même aussi écrire des shtare mekach, il peut préparer des contrats de mekach d'achat. Et qu'est-ce qu'il faudra laisser? Tsarich shaniach, il faudra qu'il laisse là-bas sur place, mekom alokeach, la place où il faut écrire l'acheteur, ou mekom amocher, la place où il faut écrire le nom du vendeur, ou mekom amaot, et l'endroit où on écrit, la place où on écrit la somme exacte. Ou makom asadé, la somme exacte de la maison qui était vendue, ou makom, ou du champ, ou makom asadé, bien sûr, l'endroit où on détaille où se trouve exactement le champ qui a été vendu, la parcelle telle et un tel,
à temps de, où on le situe, et au Makom Azman et la date sur laquelle on l'a vendu. Et tout ça, c'est Mipnei Atakana. Une phrase un petit peu floue. Mipnei Atakana. Littéralement, je sais pas, on peut traduire à cause du décret ou à cause de l'utilité, comme les Taken réparaient quelque chose, réellement c'est à cause de l'utilité, c'est-à-dire. On craint qu'en fait, imaginez, il y a toutes sortes de situations où. Mipnei Atakana, il y a plusieurs, c'est expliqué de plusieurs manières dans la Gemara. On va prendre un avis qui nous dit que Takana t'a souffert. Ouais, la Gemara l'apporte. C'est soit pour le souffert ou soit pour la nécessité, un homme qui veut divorcer sa femme, et des fois il faut lui permettre de le faire le plus vite possible. Imaginez que finalement, il y a une ruée vers l'or au Mississippi, et il y a plein de gens qui veulent partir pour tenter leur chance. Ils vont laisser leur femme, ils ne veulent pas embarquer tout le monde. Ils vont donner un gâteau à sa femme, peut-être qu'un jour je reviendrai, tu te remarieras, peut-être que oui, peut-être que non, on revient pour le moment, nos chemins se séparent. Il y en a qui vont peut-être partir pour faire la guerre au Milouim, je sais pas, alors dans ce cas-là, il veut écrire un gâteau à sa femme, au cas où il va parvenir, le pauvre, et qu'on ne saura pas ce qui se passe, au moins que sa femme soit divorcée d'ici un an, au cas où il n'est pas revenu. Il y a toutes sortes de situations comme ça, où les hommes avaient besoin d'écrire un guet urgemment. Pour pouvoir permettre cette urgence, alors il fallait que ce soit facile. Imaginez que d'un coup, il y a eu aujourd'hui, Chas v'Shalom, une guerre, ou bien il y a eu aujourd'hui, il faut que plein d'hommes vont devoir partir aujourd'hui. On n'a pas le temps de traîner à se mettre maintenant à écrire des guettes trop dans la taille. Donc, Mipnei Atakana, que ce soit facile, quand on avait divorcé, qu'on sache trouver les guettes très rapidement. D'accord? Très facilement. Ça, c'est le premier avis. Donc, du coup, le premier avis, il intitulera d'écrire le Tofes et pas le Toref. Le Tofes, c'est la base commune où il n'y a rien de précisé, c'est tout le décor. En fait, tout le texte de supplément. Mais les mots essentiels, tu les laisses libres, qu'il s'agisse des guettes des femmes, des reconnaissances, des guettes, des shtars de reconnaissance des dettes et des shtars de vente. Et à Rabbi Yehuda possède Bekola. Rabbi Yehuda vient dire Shum Davar, rien du tout, on permet rien. On permet rien parce qu'un guet, il doit être écrit. Lishma, et on craint que si toutefois ils vont commencer à écrire et réécrire des choses, le sofer, il va dire bon, déjà, je suis sûr que lui, là, c'est le général, c'est sûr qu'il va partir à la guerre, ou, je sais pas si général, un sergent, peu importe, il va commencer maintenant à. Si jamais tu vas commencer à permettre à écrire des guettes au préalable, avant qu'ils aient été ordonnés, on va se retrouver avec des gens, c'est sûr qu'il va y avoir un moment où quelqu'un va écrire un guet avant qu'on lui ait demandé de le faire, ou rajouter une phrase à la dame, même une phrase, même un nom, même quoi que ce soit, et on va se retrouver avec une femme qui reçoit un guet sans être divorcée. Donc Rabbi Yehuda, il me dit, rien, tu ne permets pas les femmes, et tu ne permets aucun autre shtar, de manière à ce que, dans la tête des gens, ça rentre qu'on n'écrit jamais un shtar tant qu'on ne t'a pas demandé de le faire. Parce qu'on va être gozer. Char shtarot à tout gitin. On va faire un décret sur les autres shtarot à cause des gitin. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Donc Tanakama, il permet tout. Rabbi Yehuda, il vient interdit tout. Et là, on a un avis intermédiaire. C'est Rabbi El-Hazar, marchir vekula, chutz migite nashim. Rabbi El-Hazar, lui, il va tout permettre, tous les autres shtars de reconnaissance de dette et d'actes de contrat de vente, à l'exception où il laissera bien sûr écrire le tofes sans écrire le toref. Chutz migite nashim, à l'exception des guettes des femmes. Pour les guettes des femmes, il n'y a aucune solution, on ne va pas lui permettre, parce que Shenehemar vekatavla lishma, comme le pasouk nous l'a prescrit, d'écrire vekatavla, qu'il faudrait écrire un guette pour elle, en son nom, lishma, au nom de cette femme et personne d'autre. Et si tu commences maintenant à permettre ce. Donc dans ce cas-là, on va interdire même le tofes à tout toref. C'est-à-dire, en fait. Quoi qu'il arrive, la chose la plus grave interdite, c'est d'écrire un guet entièrement tant qu'on ne te l'a pas demandé. Maintenant, écrire le tofes sans le toref, c'est-à-dire écrire la partie de base commune à tous les guettes où c'est pas encore pour le moment dénommé, nominé, comme je ne sais pas comment dire, enfin bref, on n'a pas encore précisé qui pour qui. En tout cas, ça devrait être permis. Mais pour les guettes, il y a un problème, si jamais on va te permettre d'écrire ça, tu risques d'écrire la suite. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. On a Rabbi Yehuda qui, à cause de ça, va dire tu interdis tout. Et on a au contraire Tanakama qui va me dire tu sais quoi, vas-y, permets, c'est pas grave. Mipnei Atakana, il vaut mieux permettre. Et on compte sur les sophères qui connaissent assez bien leur halachot pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, l'halacha est établie comme Rabbi Elazar, qu'on pourrait écrire pour tous les autres guettes, à l'exception du guette d'une femme. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.